parti pour le Grand Prix du Vexin avec ma petite femme. Go! Arrivé sur le lieu de la compétition, trois athlètes qui m'attendent. On va voir s'ils sont bien arrivés. Ça démarre dans 30 minutes. Modalités pratiques, les dernières modalités pratiques. Comme vous avez pu le constater, vous avez des dossards qui sont classés avec des numéros et des lettres. Votre lettre correspond à votre catégorie. Lorsque vous devrez aller sur scène, il faudra se diriger sur la gauche. Vous serez dirigé par Laura et par Eric. Je vous demande à toutes et à tous de bien vouloir les écouter. Eric est ici, à votre gauche, Laura est sur votre droite. Je vous demanderai à toutes et à tous de la discipline. Par catégorie, vous n'êtes pas plus de 10. S'il vous plaît, s'il y a un ou une retardataire, regardez la personne à côté de vous qui a la même lettre et appelez-les de façon à ce que Eric et Laura puissent m'envoyer les athlètes. Une fois que vous êtes envoyé, je m'occupe de vous. Je serai votre grand frère jusqu'à votre montée sur scène. Je n'accepterai pas des dossards tachés, s'il vous plaît. Prenez du soin sur votre dossard. Le dossard se met à votre gauche sur le site. Attention, pour la pose du dossard, le dossard ne doit absolument pas gêner la progression de la tête. Essayez de faire des tests. Il ne faut pas que ça frotte sur la jambe. Les petits coins peuvent faire mal, surtout pour vous, mesdames. Voilà. Concernant les passages, le schéma est le même pour toutes les catégories. Nous sommes en session fitness. La première catégorie que je vais appeler, c'est modèle homme. Je vais appeler, sous l'ordre du chairman, le premier athlète. Le premier athlète va venir sur scène. Je demande pour toutes les sessions fitness le même schéma. Vous commencez par un T-walk. Le T-walk est féminin et aussi masculin. Il s'adapte en fonction des catégories. Si vous ne maîtrisez pas encore le T-walk, c'est le moment peut-être d'aller regarder sur YouTube. Je vais vous imaginer, je vais vous faire le schéma. Alors, pardonnez-moi exactement si je ne le fais pas correctement. Voilà, vous montez sur scène. Devant, vous vous arrêtez. Voilà, pour les femmes, il y a la main ici. Vous présentez votre dos. Voilà. Toujours le sourire. Je veux des sourires. Vous allez sur la gauche directement et vous fixez les juges. Et vous présentez votre profil gauche. Puis, vous allez sur votre droite et vous présentez votre profil droit. Vous revenez en fond de scène. En fond de scène. Voilà. Et vous êtes comme ça. La deuxième athlète passe exactement jusqu'à la fin des athlètes. Nous accorderons quelques secondes au juge pour qu'il puisse regarder. J'attire votre attention sur ce moment bien précis de la compétition. 90% de votre notation se fait à ce moment-là. Sur votre passage solo, ainsi que sur votre comparaison en fonction des autres de la catégorie. Quand je juge, dans 9 cas sur 10, j'ai déjà fait mon classement à ce moment-là. Je demande à tout le monde d'être gracieux, d'être gracieuse. Avec le sourire, vous êtes des catégories où le sourire, l'élégance et la classe est une partie essentielle du classement. Puis nous commencerons sur les poses imposées. Voilà. Je tourne toujours vers la gauche. Je tourne toujours vers la gauche. Je tourne toujours vers la gauche. Et gauche. Et gauche. Et gauche. Voilà. Si on a qui font du droit, je vous remettrai sur la gauche. Voilà. Puis viendra les appels en comparaison. J'attire votre attention sur la chose suivante. Le premier appel en comparaison, dans 90% des cas, c'est le bon. Si vous n'êtes pas dans le premier appel en comparaison, c'est que vous n'êtes pas trop dans le coup. Il peut y avoir des exceptions. Voilà, ça vous donne une indication de votre système. La fin du round 1, j'attire votre attention sur la chose suivante. Je sors le top 5. Le top 5, seul le top 5 sera admis au round suivant. Et c'est là où c'est la beauté et la cruauté du sport. Pour toutes les personnes qui ne seront pas dans le top 5, la compétition s'arrête là. Voilà, vous recevrez immédiatement votre résultat ainsi que votre trophée. Je vous remercierai très chaleureusement. Il y aura un pause-âne, etc. pour que ceux du round 1 puissent se préparer. Puis j'appellerai l'athlète classé 5e, 4e, 3e, 2e. Les résultats seront immédiats. Vous recevrez votre coupe ici. Au bout de 20 minutes, votre catégorie finie. Deux choix s'offriraient à vous. Premier choix de partir, deuxième choix de rester. Je vous invite vraiment à choisir le choix numéro 2, qu'on reste tous ensemble, à faire la fête ensemble. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très très bonne session et on commencera à 10h30 précis. Merci beaucoup de votre attention.
valide. Ça, c'est la scène avant la compétition. Vélo, cadeau pour les athlètes. Une belle salle avec un beau siège pour pouvoir regarder le spectacle comme il faut. C'est vraiment classe. En tant qu'athlète, c'est vraiment bien. On voit que c'est carré. C'est de bon augure pour tout à l'heure. On va se régaler. Bouge pas. Bouge pas, je vois une petite tâche. Là, j'ai pas compris. Je sais pas si je vais réussir à faire des tirs. Messieurs les juges et mesdames les juges, vous m'entendez? Donc là, le Grand Prix du Vexin est annoncé. Stéphane va meubler. Ils vont tous arriver sur scène en même temps. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a 6 compétiteurs. Et là, les juges sont très concentrés. Pas une mouche ne vole. Première pause imposée, un quart de tour sur la gauche. Oblé. Voilà. Monsieur le juge, on peut passer au quart de tour suivant. Quart de tour sur la gauche, messieurs. De dos. Ouvre, Gégé. Ouvre, dans le dedans. Voilà. Je fais l'action. Tu vas vite. Voilà. Monsieur, quart de tour sur la gauche.
Les obliques dans son bras. Voilà. Plaque ta cuisse sur l'homme. Tire ta cuisse un peu, Max. Voilà. Messieurs, quart de tour sur la gauche, de face. Voilà, bon geste. Monsieur, merci. Voilà. On les applaudit. Retournez à la scène, s'il vous plaît. Bravo. Bravo. Un appel en comparaison. Je vais appeler le numéro. Ok, numéro 1. Numéro 3. Allez, j'ai. Numéro 5. Allez, j'ai, hein. Et le numéro. Le numéro. Numéro. Les abdos, voilà. Le numéro 2. Allez messieurs, on reste sur la ligne, bien sur la ligne. Attention à vos placements. Ouais. Allez Max, voilà, tourneur, voilà. Bouge plus. Super. C'est bien Max. Allez, quart de tour sur votre gauche. À gauche. Voilà. Pousse. Voilà. Voilà. Super. Bouge-moi un peu, Maxou. Bouge-moi un peu. Voilà. Bouge plus. Super. Ok, un quart de tour sur votre gauche, monsieur. De dos. Sur votre gauche, on fait gauche. Let's go.
Mesdames et messieurs, l'athlète qui a gagné le round 1, je vous rappelle le dossard numéro 5, monsieur Maxence Carré, 150 en points. Maxence gagne le round 1 et qualifié pour le round 2. Monsieur, je veux l'athlète numéro 2. Monsieur Ludovic Bourrelon est deuxième. Ludo, avec 150 points, c'était très très chaud. Athlète numéro 3, monsieur Gérard Mourry. 146 points, c'est très serré. Bravo Jérôme. Athlète numéro 4, monsieur Frédéric Poulet. Bravo Frédéric. Et attention, attention. Tarek est le dernier qualifié, monsieur Tarek Lajbi. Vous avez devant vous le top 5. Les 5 qui vont prétendre à la victoire finale de la catégorie Men Model. Mesdames et messieurs, mesdames, messieurs, je vous demanderai de retourner en fond de scène. Vous allez passer tout de suite. Et 6e de la catégorie. La mademoiselle, je crois que ça s'adresse à vous. Elle est en particulier. Oh là là. Petit moment de suspense, petit moment de suspense. Bravo Jérôme. Jérôme, à droite. À droite Jérôme. Voici le podium du Grand Prix du Vexin, messieurs les photographes. Quatrième de cette catégorie, Frédéric Poulet, 185 points. Sur la ligne de 7, s'il vous plaît, pour les imposer. Numéro 2. Ouais, c'est bon, ça.
Le dossard numéro 3. Le dossard numéro 5. Et le dossard numéro 1. Allez, mesdemoiselles, un quart du tour sur votre gauche. Allez, Mélise. C'est bon. Quart de tour sur votre gauche, de dos. C'est pas facile pour les juges, là. Super, super, continue. Et vous avez un quart de tour sur votre gauche. En fiche gauche. Garde le tour sur votre gauche, de face, s'il vous plaît. Allez, dis ça, c'est pas tout ça. Super, bientôt là. Et Mimi, dans le tour. Merci, mademoiselle. Je vais vous demander de rejoindre le fontaine. Bravo, Mimi. On les applaudit. Super. Pour la prochaine comparaison, je vais appeler le dossard numéro 4. Tonight at the MGM Grand Las Vegas. N'hésitez pas à faire vos meilleures poses. Allez, Camilla!
la mademoiselle Bassi. Soulève ça à bout de bras. Moi même, je ne peux pas te bouger. Regardez. Regardez la force de cet homme. Je ne peux pas. Et cette demoiselle, celui-là, il est un peu moins lourd. Il fait 100 kilos. Voilà. Messieurs, à la régie, à la technique, je vais vous demander. Mademoiselle, ouais, restez bien français. Je veux pas que vous voyez cet écran. Hein. Ça, c'est important. C'est très important. Vous avez vu comment je prends ma petite voix? Hein? Ça c'est important, vous restez bien en fait. On essaye hein, de. Voilà, donc messieurs à la régie, nous ont envoyé, vont nous envoyer le classement incessamment sous peu. Bon, il y a la grève du transport, hein, c'est pas évident. C'est et tout. Hein. Mais ça arrive, tranquille. Voilà. Cédric Orchol, qu'on ne présente plus, champion international, qui a l'honneur de remettre à ces demoiselles. Leur récompense. Voilà, Cédric. Et nous allons annoncer la cinquième place. À la cinquième place. Avec 172 points. Mademoiselle Florence Rougenot. On peut applaudir. Et tu vas repartir avec sa petite récompense. Elle n'est pas venue pour rien. On peut saluer l'organisateur David Carta qui offre des récompenses à tous les athlètes. Ça, on peut le remercier. Je vais appeler à la quatrième place. Ça commence à chauffer, les filles. Nous, on sait, mais pas nous. Ça, c'est bon. À la quatrième place. Eh oui, avec 187 points. Avec 187 points, hein, j'ai déjà dit, je leur dirai, c'est pour le dire. Mademoiselle Karima Sereng, s'il vous plaît, on applaudit. À la troisième place, sur ce podium, je regarde, c'était solide, hein. Voilà, j'ai testé, c'est bon, vous pourrez y aller. Avec les talents, ça va pas être facile. Alors, à la troisième place, c'est une fille, vous en conviendrez. C'est une fille, elle a une robe. On avance, hein. Elle a une robe. C'est pour vous. Elle a une robe. Elle est sur le podium. Avec 224 points. Mademoiselle Lydie Poulet, sur le podium. On peut l'applaudir. À la deuxième place. Avec un total de 237 points. Oh,
des deux, hein. Je ne vais pas vous mentir, les filles. C'est une des deux. Si c'est pas l'une, c'est l'autre. À la deuxième place, allez, traite de plaisanterie. À la deuxième place, avec 237 points, mademoiselle Anissa Zucca. Et sur la première place du podium, mademoiselle Émilie Sophisticated mama. Come on, you disco lady. Yeah. Et tout à coup, un inconnu vous offre de voir. On peut les applaudir, hein. Elles sont magnifiques. Voilà, bravo Lydie. Bravo Anissa, bravo Lydie. Au podium. Et bravo Karima, bravo Florence. Vous êtes toutes magnifiques. Il en fallait qu'une ce soir. Et voilà, il y a une avenir un peu plus fort. Nous le centre de la scène pour les pauses imposées. Allez, Beth! Allez, le sourire en quart de tour sur votre gauche. Sur le droit. Allez, les obliques! Les obliques! Voilà! Garde le dos sur votre gauche, le dos. Allez Damien! Oui! Vivez! Ouvre le dos! Écarte les omoplates! C'est bien, Damien! Garde le dos sur votre gauche, profite gauche. Roger! Allez! Allez messieurs, on contacte. Et on sourit. Les obliques! Maintenant ou jamais. Non, par le tour sur votre gauche, de face, monsieur. Allez, Damien. Allez, Ben. À peu. Allez, allez. Allez, on les encourage. Allez, Damien. Merci messieurs, je vais vous demander de rejoindre le fond de scène. C'est vos applaudissements. Merci. Le premier appel en comparaison. Voilà, j'appelle sur la scène le dossard numéro 2. J'appelle sur scène
le dossard numéro 5. J'appelle sur scène le dossard numéro 6. Ouais, Jérôme, il est là. Et j'appelle sur scène le dossard numéro 8. Allez, messieurs de face. Allez, fais les shows, Jérôme, hein. Oui. Allez, Jérôme, fais les shows. Quart de tour sur votre gauche. Sur votre gauche de dos. Allez, messieurs. Quart de tour sur votre gauche. Trois pieds gauche. Ouais, Jérôme, c'est mieux là. Ouais. Allez, on se bat, les gars. Allez, allez. Il faut tout donner. Quart de tour sur votre gauche de face. Merci messieurs, vous pouvez rejoindre le fait de la scène. Bonjour. J'appelle sur scène le dossard numéro 1. Ah, c'est pas fini. Attends, juste une seconde. Maintenant, oui, c'est pour les juges. Voilà. Là, on peut envoyer la balle de plomb. Allez, Jean. Thank you.
corriger. Merci Thierry. Et suivant, nous sommes numéro 4, messieurs. Pour les comparaisons, je vous invite à rejoindre le centre de la scène. Allez, Thierry. Allez, position corrigée. Cuisse. Allez, Nico. Messieurs, double biceps. Messieurs, torso de face. Messieurs les juges, on relâche votre meilleur profil, biceps, cage. On relâche votre meilleur profil, biceps, cage. On relâche. Messieurs de dos, double biceps. Allez. On relâche. Messieurs de dos, torso. Une jambe en arrière. Présentation du mollet. On relâche. Et messieurs, pour finir, votre plus musclé. À ton cuisse, pour finir. Voilà, merci messieurs de vous inviter à rejoindre le fond de scène. Rejoins le fond de scène. Numéro 4, Michel Décolle. Et le costard numéro 1, Fabrice Tafel. Allez, messieurs, position corrigée. De ce premier round, avec 172 points, dossard numéro 2, Nicolas Choulac. À la troisième place de ce premier round, avec un total de 166 points, dossard numéro 1, Monsieur Fabrice Tartel. Il est content, ça fait plaisir. À la quatrième place, avec un total de 134 points, le dossard numéro 3, Thierry Reynard. Et qualifié aussi à la cinquième place, avec 128 points, le dossard numéro 5, Gaëtan Fado.
Bravo, lui. Allez, merci, monsieur. On vous revoit tout à l'heure pour le round numéro 2. Quatrième en modèle, troisième en main physique. Thierry Ragnard, quatrième, donc à un point du troisième sur un posing où il a perdu un peu de points, donc il sait que pour la finale française et BBM, il sait ce qu'il lui reste à faire, c'est-à-dire améliorer le show au niveau du posing. Et donc Émilie Lévrard qui fait troisième en bikini et donc victoire en catégorie modèle femme. Donc première victoire pour elle, on est tous vraiment très contents, très fiers pour elle. Et voilà, donc ça se conclut pour ce premier Grand Prix du Vexin, ce qui nous concerne. On remercie David Carta et toute son équipe, parce que c'était vraiment un très beau show, et on espère revenir l'année prochaine avec encore plus d'athlètes. Merci à tout le monde, et à très bientôt pour donc, la finale France à BBN le 16 juin à Poitiers.